Comment faire des vidéos avec son téléphone, filmer, monter et publier des vidéos en utilisant uniquement votre téléphone. Dans cette vidéo, je vais vous montrer chaque étape pour créer du contenu sur votre téléphone, que ce soit sur Android ou sur iPhone. Ça va envoyer du bois. Générique ! Salut, c'est Olivier Juprel, bienvenue dans un nouvel épisode de Stratégie Vidéo, le meilleur endroit pour apprendre à faire de belles vidéos, pas chères et qui rapportent gros. Si vous êtes nouveau, je vais vous demander de vous abonner parce que je publie de nouveaux tutoriels chaque semaine. Je suis super excité. Ce tutoriel va être divisé en 4 parties. Dans la première, on va voir comment filmer vos vidéos. Dans la deuxième, on verra comment créer des miniatures. Dans la troisième partie, on verra comment monter vos vidéos directement avec votre smartphone et comment diffuser vos vidéos de la bonne manière sur YouTube. Ce sera pour la dernière partie. Quand j'ai démarré sur YouTube, j'ai créé pas mal de vidéos en utilisant mon smartphone. C'était celui-ci. C'est un smartphone chinois avec une caméra qui est vraiment pas terrible. J'ai vraiment appris à la dure et j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'aurais adoré avoir accès à une vidéo comme celle-ci qui me montre toutes les étapes à suivre pour réaliser de belles vidéos avec un smartphone. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'après avoir parcouru toutes les étapes pour faire des vidéos avec son téléphone, je vous donnerai accès à mes meilleurs conseils pour faire des vues sur YouTube même avec 0 abonné. Pendant que vous regardez cette vidéo, dites-moi dans les commentaires combien de vidéos vous avez déjà publiées et quel est le thème de ces vidéos. Une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que c'est possible de se lancer sur YouTube en faisant des vidéos uniquement avec un smartphone? Eh bien oui les gars, c'est clair, la réponse est positive. Quelque part, c'est la meilleure manière de commencer. Ça sert à rien en fait de dépenser des gros montants dans des caméras dernier cri quand vous démarrez. Votre smartphone, vous l'avez déjà. Et on va voir comment obtenir un look professionnel dans cette première étape qui est le tournage. Vous allez d'abord essayer de trouver le meilleur angle et ça peut prendre du temps. Rien qu'ici, pour mon studio, j'ai essayé plusieurs configurations avant d'arriver à celle que vous voyez pour le moment. Pensez ensuite à bien cadrer en plaçant votre caméra au-dessus de vous ou alors à angle plat, c'est-à-dire à hauteur des yeux, mais pas en dessous de vous parce que ça ne vous mettra vraiment pas en valeur. On va voir vos trous de nez, ça ne va vraiment pas être joli. Alors s'il vous plaît, vous allez diffuser sur YouTube, donc filmer à l'horizontale quoi. On a tous envie d'avoir un look cinéma avec un arrière-plan qui est flou. Le problème avec un smartphone, c'est que c'est vraiment pas évident à obtenir parce que la lentille est trop petite pour pouvoir obtenir cet effet. Vous pouvez vous rapprocher en vous plaçant à proximité de la caméra et en laissant de la place derrière vous. Ça donnera également de la profondeur à votre image. Et si vous pensez à investir dans une caméra, mes meilleures recommandations de matériel sont dans la description. Il y a aussi une vidéo ici qui va vous aider à choisir la caméra qui vous convient le mieux. Il y a quelques accessoires pas chers qui vous aideront à obtenir une image qui est plus professionnelle. On va voir ça dans un instant. Mais si vous commencez juste avec votre smartphone et que vous ne voulez pas acheter d'accessoires, je vous demande d'être attentif à un paramètre. Méga, super, over, important, votre image doit être stable. Et il n'y a rien de pire que de regarder une vidéo qui a été filmée à bout de bras. Ça donne le mal de mer. Ça va vraiment faire fuir vos spectateurs. Donc s'il vous plaît, posez votre téléphone sur une pile de livres ou sur une fenêtre en utilisant du tape pour le coller. Ça va libérer vos mains et vous aurez une belle lumière devant vous. L'audio est aussi primordial. Si on peut tolérer une mauvaise image, il n'y a personne qui tolère un mauvais son. Donc placez-vous le plus près possible de votre micro. Au plus, votre micro sera proche de la source, au mieux sera le son de votre voix. Pourquoi pensez-vous que je colle ce micro à 2 mm de ma bouche? Ça dépend aussi de votre pièce. Il se peut qu'elle résonne beaucoup. Vous pouvez mettre un tapis au sol, des meubles, des rideaux ou même des mousses acoustiques pour réduire au maximum l'écho éventuel qu'il y aurait dans votre pièce.
Ça vaut vraiment la peine, il n'y a rien de pire qu'une vidéo avec un son qui résonne, croyez-moi. Au niveau accessoire, il existe des petites pinces qui, pour smartphone qui vous permettent en fait de les fixer sur des supports comme ici un GorillaPod ou même sur des pieds qui sont un peu plus solides comme le SwitchPod ici. Il y a des micro-cravates avec ou sans fil, vous le branchez simplement à votre smartphone et le tour est joué, vous pouvez commencer à parler. Je vais vous montrer la différence avec et sans micro, on y va. Alors pour ce test vidéo, je vais lire un extrait de ce bouquin. Il faut savoir que la pièce dans laquelle je suis est déjà traitée au niveau acoustique, donc il y a très peu d'écho, il y a très peu de résonance, j'ai un mur avec des mousses acoustiques qui absorbent déjà beaucoup. Ensuite, j'ai placé un tapis très épais au sol et puis mon canapé qui voilà, fonctionne aussi très bien pour limiter les échos. Donc je vais vous lire un extrait de ce bouquin. Le mot figure couvre un vaste champ sémantique. Il peut désigner un être humain ou un animal, un robot, un objet, une simple forme. À travers la mise en scène, ces figures expriment des sentiments et des pensées ou produisent des effets cinétiques. On va essayer maintenant avec le micro-cravate. Je vais le passer en dessous de mon t-shirt et simplement brancher la fiche mini jack dans le smartphone. Voilà, maintenant vous m'entendez avec le micro-cravate. Je vais lire le même extrait. Le mot « figure » couvre un vaste champ sémantique. Il peut désigner un être humain ou un animal, un robot, un objet ou une simple forme. À travers la mise en scène, ces figures expriment des sentiments et des pensées ou produisent des effets cinétiques. C'est fondamental d'avoir une belle lumière. Pour cela, vous pouvez vous placer simplement devant une fenêtre. Évitez que le soleil tape directement dans la fenêtre. Et si vous n'avez pas le choix, vous pouvez toujours utiliser un diffuseur qui va diminuer l'intensité du soleil. Le problème de la lumière du jour, en fait, c'est que ça change, quoi. Et donc, s'il y a des nuages ou des journées qui sont pluvieuses, votre lumière sera moins belle, moins puissante. Donc pour être plus efficace et arrêter de devoir attendre que le nuage passe ou que la météo soit bonne, ça vaut le coup d'investir dans un éclairage qui soit pas trop cher et qui tient la route. Pour ça, vous avez deux catégories, soit studio, soit portable. Dans la version studio, il y a les softbox. On peut les acheter seul ou par deux. Le prix est vraiment abordable et tout est compris. Le pied, l'alimentation, les ampoules, etc. C'est vraiment un pack. Alors attention parce que ça chauffe et ça prend de la place. Il n'y a pas vraiment de possibilité de régler l'intensité. Donc pour cela, vous devrez les éloigner de vous si vous voulez diminuer l'intensité. Il faut donc avoir de la place. Dans la version portable, il y a les panneaux LED. Vous pouvez déjà en trouver pour 20-30 euros. Vous obtiendrez une lumière qui est très douce, qui est vraiment idéale pour éclairer un visage. Et certains panneaux sont bicolores déjà à la base et la luminosité est réglable. Vous avez également un support pour le fixer à la plupart des appareils ou sur un pied. Et le gros avantage, c'est que les panneaux LED ne chauffent pas. Et ça, je peux vous dire qu'en plein été, quand vous enchaînez plusieurs vidéos, c'est plutôt pas mal. Il y a une dernière option qui rend les visages encore plus jolis, qui diminue les rides et qui crée une séparation entre le sujet et l'arrière-plan. On appelle ça le ring light. Je vous le déconseille parce que ça crée un rond dans les yeux, c'est distrayant et c'est un style qui est vraiment très particulier. Donc, à votre place, j'utiliserai pas ça. Alors, comment placer vos lumières? Éclairer une vidéo, en fait, c'est un processus créatif. Il n'y a pas de règle qui soit bonne ou mauvaise. Votre priorité, c'est de bien éclairer le sujet, c'est-à-dire vous, et tout le reste, c'est-à-dire le décor, ça arrive en seconde position. Donc, si vous avez une seule lampe, je vous invite à la placer juste devant vous, le plus près possible de la caméra. On doit bien vous voir. Si vous avez deux lampes, dans ce cas, les sources, on les place en général sur les côtés à 45 degrés. Du coup, on est moins dérangé parce que la source lumineuse, elle n'est pas en plein dans les yeux, quoi. Elle est sur les côtés pendant qu'on regarde la caméra. Il existe un petit secret qui est utilisé par les grands réalisateurs de cinéma qui va vous permettre de vous démarquer sur YouTube. Vous allez créer un contre-jour avec une troisième lumière que vous allez placer derrière vous. Ça va vous faire ressortir, ça va vous détacher du fond. Et si vous pouvez passer une petite lampe sur pied, comme c'est le cas ici, ça donnera l'illusion que ce contre-jour vient de la lampe. Voici ce que ça donne sans contre-jour. Là, il n'y a pas de panneau LED, il y a juste une source qui est ici à ma droite, qui est en fait la lumière du jour, qui est un petit peu tamisée avec le réflecteur. Maintenant, je vais mettre le panneau LED. Voilà, là, on voit le panneau LED qui débouche un petit peu les ombres de ce côté-ci et qui permet d'équilibrer sans que ce soit non plus trop, comment on va dire, lisse. Ça donne quand même aussi, ça laisse quand même quelques ombres sur le visage, mais enfin, voilà, ça permet de déboucher. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre le contre-jour.
Donc là, je suis avec le contre-jour dans les cheveux. On voit vraiment bien ce que ça donne. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais allumer la petite lampe qui est derrière moi qui va donner l'illusion que le contre-jour vient de là, quoi. Et voilà, ici, on a la version avec le contre-jour bon, qui va vraiment très fort pour le coup. Et la petite lampe derrière moi qui permet de donner cette illusion. Placez vos lampes au-dessus des yeux et orientez-les vers le sujet. Et ne les placez surtout pas en dessous de votre visage parce que ça va créer des ombres qui sont disgracieuses. Voici donc les meilleures manières d'éclairer vos vidéos, que vous utilisiez une, deux ou trois sources. La liste des éclairages cités dans ce chapitre est dans la description. On va voir dans un instant comment créer une miniature YouTube, mais avant, il y a encore quelques petits réglages importants. Ça va être d'utiliser la caméra arrière. Alors ça dépend vraiment de la qualité de la caméra, mais elle est souvent meilleure que la caméra avant. Surtout que l'erreur la plus courante, c'est de se regarder dans le retour caméra et de ne pas regarder l'œil de la caméra, en fait la lentille quoi. Et donc en filmant avec la caméra arrière, vous aurez une meilleure qualité d'image et vous risquez pas de vous regarder dans le retour. Et en plus, une petite astuce pour vous, vous pouvez utiliser un miroir pour vérifier votre cadre et ça vous permettra justement de voir un petit peu à quoi ça ressemble. La résolution dans laquelle vous filmez dépend de la plateforme sur laquelle vous allez diffuser. Pour YouTube, ce sera 16:9 en horizontal. Vous pouvez filmer en 4K si vous voulez. C'est pas toujours possible de choisir le nombre d'images par seconde. Alors en général, sur les smartphones, c'est 25 ou 30 images secondes. Si c'est 30 images secondes, ça peut être un problème en Europe. Je vais pas vous expliquer ça ici. Mais la manière de le résoudre, c'est de régler simplement la vitesse d'obturation à 1/50. Encore faut-il que ce réglage soit possible sur votre smartphone. Vous pouvez également enclencher l'option stabilisation vidéo. Voilà, tous ces petits réglages qui font la différence. Est-ce que ça vous plaît jusqu'ici? Laissez un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Ça fait toujours plaisir. On va voir dans un instant comment créer une miniature YouTube, mais il reste une dernière étape cruciale pour réussir votre tournage. Attention, c'est de préparer votre contenu. En fait, la concurrence sur YouTube, elle est vraiment importante et vos sujets doivent absolument intéresser votre audience. Vous devez vraiment prendre le temps de faire des recherches en amont pour connaître ces sujets. Alors, il y a des outils pour ça. On n'a pas le temps d'en parler maintenant dans cette vidéo qui est déjà assez dense, mais vous les retrouverez dans ma formation vidéo gratuite qui s'appelle « Exploser vos vues en moins de 12 mois, même avec peu d'abonnés ». Le lien est dans la description ou ici. Et c'est au moment où j'ai vraiment compris ça que ma chaîne a vraiment décollé. Et ce sont les conseils que je donne à mes élèves, aux membres de mes formations aussi. Donc, allez jeter un œil, c'est entièrement gratuit. Un atout fondamental dans votre réussite, c'est d'augmenter le temps que les utilisateurs passent sur vos vidéos. La clé pour cela, c'est vraiment la structure de votre vidéo. Elle doit être logique et facile à suivre. Vous devez partager régulièrement de la valeur tout au long de la vidéo, du début à la fin, quoi. Ça engage votre audience qui va rester plus longtemps et donc ça augmente vos durées de moyenne de visionnage. J'ai fait une vidéo complète pour vous aider à bien structurer vos vidéos ici. Et je mettrai aussi le lien dans le descriptif. Voilà, on est presque prêt à monter notre vidéo, mais il y a une étape cruciale avant ça, votre miniature. On va voir ça dans un instant. Et après, je vous expliquerai comment monter votre vidéo entièrement sur votre téléphone. Et donc, cette deuxième étape, c'est les miniatures. Miniature, c'est une partie très importante. C'est un peu comme l'affiche d'un film. Pour donner envie de cliquer sur votre vidéo, votre miniature doit être réussie. Vous voulez donner toutes les chances à votre vidéo d'être vue. Et ça passe par une bonne miniature. Et pour cela, il faut absolument éviter d'utiliser un extrait de la vidéo. On peut se sentir un petit peu perdu au milieu de toutes les possibilités. Pourtant, vous avez simplement besoin de votre smartphone. On va voir la méthode en 3 étapes que j'utilise pour créer mes miniatures facilement juste avec mon smartphone. Et cette première étape, en fait, ça va être, avant même de prendre une photo, d'avoir une idée de ce que vous aimeriez mettre en scène. Allez-vous montrer un objet dont vous parlez? Allez-vous le montrer du doigt? Allez-vous regarder la caméra? Ou peut-être que vous allez regarder ailleurs? Quelle expression allez-vous avoir? Essayez de varier vos expressions. Que ce ne soit pas tout le temps le même, quoi. Hein, parce que sur YouTube, y a tout le monde qui est toujours un petit peu étonné. Enfin voilà, alors que vous pouvez jouer avec toutes les émotions, quoi. Pourquoi pas la tristesse, le dégoût, l'ennui ou l'horreur? Enfin voilà, ce qui fonctionne bien en tout cas, ce sont, avec les codes YouTube, le fond uni, la ligne blanche et le doigt qui pointe vers le sujet dont vous parlez. La deuxième étape, c'est de prendre un maximum de photos, au moins 5, pour avoir tous les éléments en place.
Moi, ma technique, c'est vraiment de rapprocher mon smartphone de mon visage. Soit je le pose quelque part, soit je fais directement un selfie. Et pour avoir un arrière-plan fou, vous pouvez choisir le mode portrait. C'est pas possible comme option sur mon smartphone. Pensez à laisser de la place à gauche de la caméra. Pour cela, moi, j'utilise la grille. Et c'est là que je vais en fait insérer du texte. Je ne veux pas utiliser la partie en bas ou en haut à droite parce qu'il y a toujours du texte dessus. Et c'est encore plus vrai avec les miniatures sur smartphone. Je vais enclencher le minuteur et faire les photos. La troisième étape, c'est la partie édition. On va voir ça dans un instant et puis je vous expliquerai comment monter votre vidéo directement sur votre smartphone. On va recadrer la photo et modifier la luminosité et le contraste. La plupart des smartphones permettent de le faire directement. Et pour insérer du texte, je vais utiliser Canva. C'est une application qui est entièrement gratuite. Et une fois installée, on importe la photo tout simplement. On a le choix d'utiliser un Canva qui existe déjà ou alors de tout faire depuis le début. Ici en haut, sur la barre de recherche, je vais taper vignette YouTube. Et vous avez le choix soit de partir d'un projet vide, soit de choisir une vignette qui est déjà mise en page. Je vais prendre celle-ci par exemple. Je vais appuyer sur modifier. Et en appuyant sur la photo, je vois que je peux aller chercher dans ma bibliothèque. Je prends la dernière que j'ai modifiée. Je vais l'insérer. Donc je vais cliquer dessus pour l'insérer au bon endroit. Voilà. Et ensuite, je vais changer le texte. Je peux choisir la typographie. Donc par exemple, moi je vais prendre Roboto. La typo que j'utilise, voilà, comme ça. Et pour le texte, je vais choisir crêpe sans sucre. Je vais diminuer un petit peu ici. Voilà, ça vous donne déjà une première vignette sympa. Alors après, peut-être que ça, c'est distrayant. Vous pouvez le supprimer si vous voulez. Vous l'envoyez ici à la petite... Voilà, si je le sélectionne, vous pouvez le supprimer en l'envoyant à la poubelle. Peut-être que ça va permettre d'avoir une meilleure visibilité sur le texte et pouvoir l'agrandir un petit peu. Voilà, ça vous donne déjà une première version. Vous pouvez facilement changer la couleur du texte en le sélectionnant et en revenant dessus. Moi, je vais le laisser en blanc. Vous pouvez modifier aussi la fenêtre, hein, l'ouvrir un peu plus ou la fermer un peu plus. J'essaie de ne pas couper mon doigt, voilà. Une fois que vous êtes content, vous appuyez en haut à gauche sur la petite flèche et vous pouvez télécharger la miniature sur votre smartphone. Voilà, vous pouvez aussi partir d'un projet tout à fait blanc en insérant donc vignette YouTube. Vous voyez qu'en haut à gauche, vous avez ce projet vide. Et à ce moment-là, on va insérer une photo. Pour ça, je vais juste taper dessus. Vous voyez qu'on a les photos qui s'affichent. Je vais prendre la dernière photo qu'on avait réalisée, d'accord. On a cette image. Alors, je vais insérer du texte maintenant. Pour cela, je vais appuyer sur le petit bouton en bas à droite plus. Je vais pouvoir choisir du texte. Alors là, vous avez le choix entre plusieurs typographies. On va prendre, je sais pas moi, celle-ci par exemple. C'est peut-être un petit peu rempli, donc ça, je vais le retirer. Celui aussi en dessous, je vais le retirer. Et pour le texte là, au milieu, on va dire comment cuisiner un homard. Non, on va mettre comment faire des crêpes, évidemment. Voilà, ça donne déjà un truc plutôt sympa. Alors après, maintenant, pour le texte, on peut évidemment donc le valider. On peut choisir la typo qu'on veut, si on veut la changer, la police. On peut choisir aussi de la mettre en italique ou en gras. Moi, j'aimais bien comme c'était. Si vous voulez changer la couleur, vous laissez votre doigt appuyé sur le texte et vous voyez à droite que vous avez la possibilité de modifier cette couleur. Si vous voulez utiliser une couleur personnalisée, vous avez la possibilité de le faire en appuyant sur plus et en cherchant la couleur que vous voulez. Vous pouvez même insérer le code couleur si vous l'avez. Personnellement, je vais garder noir, ça ressort bien. Une fois que vous êtes content, vous pouvez tout simplement télécharger l'image sur votre smartphone. Voilà, c'est enregistré. Vous voyez que c'est vraiment intéressant de faire ces miniatures devant un mur blanc, parce que si je reprends une photo, par exemple, comme celle que j'aurais prise au début, ici, voilà, tout simplement... C'est compliqué de mettre du texte quand on a un fond qui est un petit peu déjà rempli, quoi. Vous voyez, il n'y a pas vraiment moyen de le placer, quoi. Ça, c'est vraiment le gros avantage quand on utilise un fond blanc et qu'on réfléchit vraiment à ce que ça va donner après, une fois que le texte sera inséré, quoi. Quelques conseils. Utilisez peu de mots, 3 mots maximum, avec une typo qui est assez grande pour être visible
en tout petit, sur un smartphone par exemple. Jouez avec les contrastes et différentes couleurs. Utilisez le gras et un rectangle en arrière-plan. Et parfois, on prend une photo sur un fond qui est déjà très rempli, comme c'est le cas ici dans mon studio. Et lorsqu'on ajoute du texte au-dessus, en fait, ça rend le tout un petit peu moins lisible. Sauf si vous mettez un rectangle en arrière-plan sur le texte. Mais donc, prendre la photo de la miniature juste devant un mur blanc, uni, c'est parfois une bonne idée. Vous l'avez compris, il faut avoir le résultat final en tête dès le début. Ok, c'est bon, on a notre miniature, elle est prête. On peut passer à la suite, c'est-à-dire le montage. Je vais vous montrer comment monter directement vos vidéos sur votre smartphone. On va utiliser l'application InShot. De toutes les applications de montage, c'est clairement la plus facile à utiliser quand on est débutant. Et les fonctionnalités, bon, c'est clair qu'elles ne sont pas aussi avancées que d'autres, mais vous pourrez monter vos vidéos rapidement, facilement, et franchement, elles auront de la gueule. En plus, il y a une fonctionnalité qui est géniale, c'est en fait la possibilité de recadrer facilement ces vidéos pour les stories Instagram ou pour les carrés, enfin dans le format carré sur Facebook. Il y a une version gratuite avec un filigrane que l'on peut enlever facilement en regardant simplement une publicité. Donc on peut exporter ces vidéos sans filigrane, ce qui veut dire que bah, c'est gratuit en fait. Il y a aussi d'autres applications comme KineMaster, iMovie, si vous avez un iPhone, LumaFusion ou Adobe Rush que j'utilise personnellement parce que la suite Adobe, bah, je l'ai en fait et c'est très pratique pour passer du smartphone à l'ordinateur. Mais revenons à notre montage dans InShot, je vais vous montrer comment faire ça, c'est parti. On va donc faire ce montage dans InShot, pour ça vous allez appuyer sur créer nouveau ici, on a le choix entre vidéo, photo ou collage, on va choisir vidéo. Et là vous avez trois possibilités, soit l'onglet vidéo, photo ou tout, alors bon moi je vais prendre tout parce que ça me permet de mieux me retrouver dans ce que j'ai filmé, parce que je sais exactement où est mon fichier. Ce qui est bien, c'est que quand vous appuyez dessus légèrement, ça vous donne une prévisualisation. Donc vous pouvez commencer à prévisualiser la vidéo pour savoir choisir. Moi, je sais que c'est celle-ci. Ouais, donc voilà, je vais la sélectionner. Alors, il y a moyen déjà de rogner si vous savez qu'il y a une partie que vous ne voulez pas utiliser. Moi, je sais qu'il y a plusieurs choses que j'ai enregistrées sur ce même fichier, donc je ne vais pas prendre nécessairement le début. Voilà, je vais simplement rogner là. Et puis, je vais dire que c'est OK. Alors, ce que j'aime beaucoup avec InShot, c'est qu'en fait, quand vous appuyez sur toile, vous avez vraiment la possibilité de choisir le format dans lequel vous allez publier la vidéo. Donc, vous voyez que vous avez les possibilités pour Instagram. Vous avez pour TikTok aussi en format vertical. Vous avez comment la possibilité de le faire pour Facebook en format 1:1 ou Instagram. Ici, on est sur YouTube. On va rester sur du 16:9 et on va donc valider avec le petit V. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais nettoyer un petit peu mon face caméra. Pour ça, je vais appuyer sur rogner. Vous avez trois possibilités, soit rogner, couper ou diviser. Rogner, c'est bien pour le début et la fin de votre vidéo. Donc là, ici, on voit que je ne suis pas encore prêt au début. Je suis en train de m'installer. Comment faire ? Alors, c'est encore un petit peu plus tard. Comment faire voilà. Des crêpes ? Donc, voilà, donc là, c'est bon. Pour la fin, je pense que je termine ici. Je mets ma main devant. Et puis c'est bon. Donc là déjà, on pourrait dire que c'est OK. Ça va déjà diminuer un petit peu la taille. Maintenant, je vais retourner dans Rogner et là vous avez la deuxième option qui est de couper. Alors pour couper, bon ben vous choisissez un petit peu les parties que vous voulez garder. Ce sont les parties qui sont en vert et celle qui est au centre, c'est celle que vous voulez supprimer. C'est pas vraiment l'option que j'utiliserai. Moi, j'aime bien diviser en fait et le fait de diviser, ça va créer des petits fichiers et que vous allez pouvoir aller rogner par la suite. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ma vidéo depuis le début. Comment faire des crêpes sans sucre et sans gluten ? Dans cette vidéo, je vais vous donner mes trois meilleures astuces pour réussir à faire des crêpes sans sucre et sans gluten. Donc, c'est bien. Ensuite, je sais qu'à un moment, je lance mon générique. Voilà, je sais que c'est là que je vais lancer mon générique. Je vais quand même vérifier. Après le générique. Là, je vais pouvoir mettre que je divise. Je vais faire une petite division à cet endroit-là. Et ça a coupé exactement à cet endroit-là. Super, donc je vais continuer à regarder un petit peu. Donc maintenant, si par exemple, je veux aller sur cette partie-là et que je fais rogner, je vais avoir uniquement mon introduction jusqu'à mon générique. Vous voyez ? On peut toujours appuyer sur le bouton en bas à droite pour revenir en arrière. Si on veut revenir à la version originale, quoi. Donc moi, pour moi, cette partie-là, elle est bien. Donc je vais simplement continuer dans mon montage. Donc on voit la petite marque ici qui nous montre qu'on a coupé là en deux. Ensuite, là, sur celle-ci, eh bien justement, je vais la rogner. Donc je vais revenir dessus parce que je commence pas directement. Voilà, on voit que je commence mon salut ici.
Donc là, je vais pouvoir rogner aussi. Donc ça veut dire que la transition va être nickel. On va voir. On va vraiment impressionner vos amis. On démarre juste après le générique. Salut, c'est Olivier Juppé. Avant d'ajouter le générique, je voudrais juste ajouter une dernière chose. Vous voyez que quand je reviens sur ma timeline, si j'appuie légèrement dessus, on voit que j'ai trois fichiers maintenant suite à ces coupes que j'ai faites. Et donc, je peux me rendre dans chaque fichier et de nouveau rogner les débuts ou la fin de chaque fichier. Donc, c'est assez pratique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter un générique. Pour ça, donc, je me place exactement là où j'ai fait ma division. Juste avant que je dise maintenant générique, j'appuie sur le petit bouton plus, je rajoute une vidéo. Alors donc, c'est un générique qui a été préenregistré. Il est déjà dans mon smartphone. C'est pas obligatoire pour vous. Vous pouvez simplement insérer des images avec une musique de fond ou même ne pas insérer de générique. Alors ici, je peux rogner. Donc, c'est vrai qu'il est assez long au début parce qu'il y a une musique pour mon intro. Voilà, je vois que ça démarre ici. Je vais le faire en gros ici jusqu'à la fin. Je l'insère. On va voir si ça fonctionne. Alors juste après le générique. Super, ça marche. Alors ce qu'il y a, c'est que j'ai pas vraiment super bien rogné. Donc je vais appuyer légèrement dessus. Je vois que je peux appuyer sur rogner et je vais aller faire ça de manière plus précise maintenant. Je mets OK et on voit qu'à la fin de mon générique. Salut, c'est Olivier Juppé, bienvenue dans un nouvel épisode de Donc là, je me présente. Alors, ce qui serait sympa à ce moment-là, c'est d'insérer un peu de texte. Donc, je vais appuyer sur texte ici et je vais mettre Olivier Juppé. Pour la typo, je vais choisir ma typo habituelle qui est Roboto. Si je veux, je peux déplacer le texte là où je veux. Donc, je vais le mettre ici directement quand je me présente Olivier Juppé. Je peux changer la taille. Je peux changer aussi la disposition. Donc, par exemple, je vais le mettre ici, peut-être un peu plus grand. Voilà. Et je peux choisir aussi la durée pendant laquelle le texte va apparaître. On va voir ce que ça donne. Salut, c'est Olivier Juppé, bienvenue dans un nouvel épisode de Stratégie Vidéo, le meilleur endroit pour apprendre à faire de belles vidéos. Pas cher. Alors c'est pas mal, mais je trouve que ça manque quand même de lisibilité. Donc pour ça, je vais de nouveau appuyer dessus et on va aller éditer. Et pour ça ici, si je clique sur les couleurs, vous voyez qu'en fait, on a la possibilité de choisir la couleur du texte, mais aussi de mettre une étiquette. Donc si par exemple, je mets une étiquette noire, là, ça va être tout de suite beaucoup plus lisible. Ce que je peux faire aussi, c'est ajouter un sticker, un autocollant. On va aller chercher par exemple un autocollant. Voilà, par exemple. Je vais juste bouger Olivier Juppé un peu plus loin. Celui-là, je vais le diminuer légèrement. Tirer pour qu'ils arrivent plus ou moins en même temps. Et on va voir ce que ça donne. Salut, c'est Olivier Juppé, bienvenue dans un nouvel épisode. Voilà, c'est pas mal. En cliquant sur la petite flèche, vous pouvez choisir que ça démarre au début du clip, donc là où vraiment vous avez coupé la dernière fois, ou alors carrément au début de la vidéo, ou aller jusqu'à la fin du clip ou la fin de la vidéo. Ça peut être intéressant d'utiliser le texte aussi pour justement segmenter un petit peu votre contenu en disant le point 1, donc première étape, on va dire. Ici, c'est OK. Ensuite, vous voyez que si je reviens sur le texte, je peux de nouveau choisir combien de temps je laisse, si je le laisse pendant toute la première étape ou pas. Non, je continue. Je pourrais ajouter maintenant deuxième étape. Peut-être que je vais le mettre comme ça. On est parti. Etc, etc. Vous avez la possibilité aussi de choisir comment ce texte apparaît. Donc si vous appuyez sur le petit crayon, vous voyez ici sur l'icône, vous avez différentes manières de faire entrer le texte. Donc il peut arriver par la droite, il peut arriver par la gauche, il peut arriver par au-dessus, par en dessous, etc, etc. Vous pouvez le faire bouger aussi, vous pouvez le faire tourner en boucle. Bon, voilà, ça c'est à vous de voir un petit peu si vous voulez utiliser ce genre de gadget ou pas. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de créer un écran de fin. Donc on va appuyer sur la flèche en haut à gauche. On va le sauver en tant que brouillon. Et puis on va aller dans photo. Et là, on va choisir une photo donc pour un écran de fin. Donc là, je vais prendre un peu une autre. Qu'est-ce que ça pourrait être? On va prendre celle-ci par exemple. Et là, on va choisir le format 16:9. Parfait. Je vais recadrer légèrement la photo. Voilà. C'est sympa. Ensuite, je vais ajouter du texte. S'abonner. Je vais le mettre ici
Comme ça, j'aurai un peu de place pour mettre mon bouton. Il faut que je la tourne encore un peu. Voilà, s'abonner. Super. On va pouvoir enregistrer. Pour ça, j'appuyais sur sauvegarder. Vous voyez qu'une fois qu'on sauvegarde, on doit regarder une publicité. Et c'est le prix à payer si vous voulez pour l'utiliser gratuitement. Je vais retourner dans ma vidéo, celle qui est enregistrée en tant que brouillon. Je vais aller à la toute fin. Et là, je vais appuyer sur le bouton plus pour ajouter une photo. Je vais aller sur photo. Et là, on voit que la photo que j'ai sauvegardée, que j'ai créée, est disponible. Et on va l'ajouter ici, quoi. Quand j'appuie sur la carte de fin, je vois qu'elle dure 5 secondes. Et on sait que, en fait, l'écran de fin dans YouTube dure 20 secondes. Donc, on peut l'utiliser pendant tout ce temps-là. Donc, on va appuyer sur copier. Je vais réappuyer dessus. Copier. Et encore une fois, copier. Comme ça, on sait qu'on a un écran de fin qui dure 20 secondes. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est ajouter un petit peu de musique sur mon introduction. Donc, pour ça, j'appuie sur le bouton musique. Il y a pas mal de possibilités. Donc, ça, après, il faut aller un peu écouter ce qu'il y a. Moi, je vais prendre la première ici. Hop. Et on va mettre, dire automne, par exemple. Bon. Un peu cheesy. J'ai appuyé sur utiliser. Maintenant, je vois jusqu'où va mon intro. Donc là, à ce moment-là, je vais éditer en divisant cette partie-là que je vais mettre ensuite à la poubelle. Je vais aussi choisir le volume, donc vraiment le baisser un maximum pour qu'on entende bien ce que je suis en train de dire. On va mettre une petite ouverture, petit fade in. Voilà. On va voir ce que ça donne. Comment faire des crêpes sans sucre et sans gluten? Alors ici, on voit que le son commence pas tout de suite, en fait. Hein, donc là, je vais le diviser. Ça, je vais le supprimer pour pouvoir mettre ce son vraiment dès le début. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le rallonger un petit peu. Voilà, on voit qu'il va un peu trop loin, mais c'est très bien. Et là, je vais le supprimer, diviser et puis effacer. Ok, on écoute ce que ça donne. Comment faire des crêpes sans sucre et sans gluten? Dans cette vidéo, je vais vous donner... C'est bien, mais c'est encore un petit peu fort. Donc, de nouveau, je vais retourner dans éditer et je vais baisser le volume. Voilà. Je vais vous donner mes 3 meilleures astuces pour réussir à faire des crêpes sans sucre et sans gluten. Vous allez voir, c'est très simple. Parfait. Ensuite, je vais faire la même chose sur mon écran de fin. Je vais ajouter une piste. On va mettre la même. Parfait. C'est juste qu'elle commence un petit peu après. Donc là, je vais diviser pour pouvoir supprimer cette partie-là et la mettre directement sur mon écran de fin. Et je vais de nouveau la couper là. Voilà. Là, par contre, je peux mettre la musique un peu plus fort puisque je ne parle pas. Parfait. J'aime bien aussi utiliser des effets, surtout après m'être présenté. Donc quand je dis mon appel à action, si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner. Voilà. Donc là, je vais aller dans effet populaire. On voit que Bleep est un effet populaire. Je vais l'utiliser et on va voir ce que ça donne. Voilà, super. Donc ça, c'est pas mal. Je vais vous demander de vous abonner. Il faudrait qu'il démarre un peu avant. Voilà. Super. Je vais mettre OK et on est prêt à diffuser la vidéo. Pour ça, je vais appuyer sur sauvegarder en haut à droite. On est parti. Là, vous avez la possibilité de choisir la qualité. Bien sûr, on va partir sur du 1080. Et de nouveau, vous allez avoir une petite publicité qui s'affiche pendant que la vidéo est en train d'être convertie. C'est le prix à payer pour pouvoir l'utiliser gratuitement. Ça y est, c'est prêt à être diffusé. Yaha ! On va voir comment mettre la vidéo en ligne sur YouTube et comment l'optimiser pour avoir plus de vues dans un instant. J'espère que cette vidéo vous plaît. Laissez-moi un pouce bleu si vous apprenez des choses. Ça fait toujours plaisir. Alors c'est parti pour la mise en ligne numéro 4. Yes ! Votre vidéo est prête à être diffusée sur YouTube.
YouTube, vous avez besoin de l'application YouTube, mais aussi de l'application YouTube Studio. La batterie de votre téléphone est chargée. Vous êtes connecté à un très bon ou un bon réseau Wi-Fi en tout cas. Et la première étape, c'est d'ouvrir l'application YouTube. On va commencer par l'application YouTube. On va se rendre dedans. Vous avez une icône en haut à droite avec une caméra et un plus. Vous appuyez dessus. Vous avez le choix entre vidéo en direct, story ou post. On va choisir la vidéo. Et là, vous avez accès aux dernières vidéos qui sont sur votre téléphone. Ici, donc, on va choisir celle qu'on a montée. Vous avez la possibilité de faire un montage de cette vidéo, mais comme c'est déjà fait, on ne va pas le faire. On va choisir un titre. Comment faire des crêpes. Pour la description, ce que j'aime bien faire en général, c'est utiliser une description que j'ai déjà préécrite. Pour ça, je vais me rendre dans Google Docs. Et dans mon document, j'ai déjà tout qui est prêt, comme mon commentaire épinglé ou alors les liens qu'il faut mettre en dessous. Donc, je vais simplement les copier-coller. Copier et je vais pouvoir le mettre directement dans ma description ici. Coller, bam. Vous avez la possibilité de la publier en public, donc non répertorié ou privé. Je vous conseille de vraiment le faire en privé parce qu'on a encore quelques petits trucs à mettre en place. On appuie sur la flèche en haut à droite et ça y est, c'est en train d'être mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Publier la vidéo en privé car il y a encore des ajustements que l'on doit effectuer. Laissez la fenêtre ouverte pendant que ça charge. Votre audience en fait ne doit pas encore voir votre vidéo. On va se rendre maintenant sur l'autre application YouTube Studio. Ça y est, la vidéo est disponible sur notre catalogue en privé. On va se rendre maintenant dans le YouTube Studio. On va aller dans vidéo. On va appuyer sur la vidéo concernée et puis sur le petit crayon. Et ce crayon, ça va nous permettre en fait de modifier la miniature. Donc si on appuie dessus, on peut aller chercher les miniatures qu'on a déjà réalisées. On va mettre miniature personnalisée. On va aller chercher celle qu'on a réalisée. On la sélectionne. Et la miniature est prête. Vous pouvez ensuite insérer vos tags. On ne va pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui, mais j'ai une formation vidéo gratuite qui vous montrera comment choisir les tags de vos vidéos pour exploser vos vues, même si vous démarrez de zéro, que vous n'avez aucun abonné. YouTube est une plateforme très concurrentielle, donc si vous publiez simplement des vidéos sur la plateforme, ça va être compliqué pour vous d'avoir du trafic. Je vous encourage vraiment à aller jeter un œil à ma formation vidéo gratuite. Ça s'appelle « Exploser vos vues sur YouTube en moins de 12 mois, même si vous avez peu d'abonnés ». Vous allez cliquer sur le lien qui s'affiche ici ou alors dans la description. Vous pouvez également rajouter cette vidéo à une playlist et je vous conseille vraiment de le faire. Une fois que vous êtes prêt à la diffuser, vous appuyez sur « Public » ici, ensuite sur « Enregistrer » et ça y est, votre vidéo va être diffusée sur votre chaîne YouTube. Yes ! À votre tour maintenant de prendre votre téléphone et de publier vos vidéos. Si vous voulez démarrer une chaîne YouTube de la bonne manière ou vérifier qu'elle est bien paramétrée pour obtenir rapidement des résultats, j'ai une vidéo complète qui vous montrera comment créer une chaîne YouTube juste ici. Laissez-moi un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao !